installation, en fait, c'est un bâtiment. On distribuait la nourriture, les bois de sardines, les pains, le riz pour les employés de l'hôpital et pour leurs enfants. Ça se faisait chaque jour. Donc c'est ce bâtiment qui était dédié à cela. Là aussi, tu mets la cuisine de tel côté. Hein. Ouais. Donc, ici, c'était pour nettoyer. L'hôpital était à l'origine réservé pour les lépreux. Donc c'est ici qu'on les nettoyait leurs plaies, parce que ce sont des personnes qui avaient plusieurs plaies. Donc par là, ils s'asseyaient, les infirmières lavaient les plaies, l'eau coulait juste vers la sortie. Voilà, c'était l'espace dédié. Derrière, il y avait la pharmacie, et à la pharmacie, donc pour recevoir petit, j'ai envie de dire, traitement.
nettoyer les vies. Cette, la maison qui est dans l'herbe là. Donc il y avait dans les blancs, et puis souvent en Noël, ils arrivaient, ils apportaient des jouets à la Noël. C'était très beau. Aussi, ils choisissaient aussi une période, ils arrêtaient un jour ou deux pendant les grandes vacances. Ils arrivaient, ils disaient, je me rappelle de Darvel, Elena, Dzingabo. L'hôpital. Pas de budget. Pas de budget. Bemba a dit, il n'y a pas monétaire, même le matériel, il ne va pas comme rien. Ok. Je ne vais pas faire des sikas balles, je ne vais pas faire. Je ne vais pas faire des sikas balles. Quoi? Pas de mieux, il n'y a pas de budget pour ça. Non, budget, non, mais en tout bon, il reste comme à gérer un budget. Oui. Donc, à gérer, à ce manichina. Il faut l'entretien de l'édifice. Parfait, comme vous-même, ouais.